Bienvenue sur Mercato Direct, la chaîne qui vous propose le meilleur de l'actualité mondiale sur YouTube. Amusez-vous avec nos vidéos et n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir d'autres notifications. Merci. Jurgen Klopp a laissé entendre qu'il ne fera pas de changement majeur pour la match de Ligue des Champions contre Naples, malgré la mauvaise forme des Reds. Samedi, le but de Chris Murphy à la 89e minute a condamné Liverpool à une deuxième défaite consécutive en Premier League et à sa quatrième en 12 matchs de championnat. Les Reds occupent désormais la 9e place à 15 points du leader Arsenal et à 8e du 4e Newcastle. L'équipe de Klopp doit maintenant se tourner vers mardi lorsqu'il affrontera Naples en Ligue des Champions. Les deux équipes s'étant déjà qualifiées pour les 8e de finale de la compétition, ce match pourrait être l'occasion de faire reposer des joueurs clés puisque Liverpool affrontera Tottenham en championnat le week-end suivant. Cependant, Klopp a laissé entendre qu'il s'en tiendrait à un 11 similaire, celui qui a débuté la défaite des Leeds. Le patron de Liverpool a déclaré qu'il a aucune excuse pour que cela ou quoi que ce soit, mais nous avons le problème dès le premier jour avec les blessures ou les joueurs à moitié en forme qui ne sont pas blessés. Ce que nous portons avec nous sur le moment et c'est pourquoi certains joueurs jouent trop souvent